Eureka. Ça sonne bien, c'est chouette et on se dirait que c'est ça qui peut résumer le temps le plus fort, ce à quoi on a envie de réduire les sciences, mais certainement pas que ça se résume à ça. Certes, il y a un Eureka derrière la plupart ou peut-être derrière toutes les grandes découvertes scientifiques. Mais pour que le Eureka puisse s'accomplir, il s'est passé beaucoup de choses avant. Beaucoup de travail, de discussions, d'environnement, de mise en relation, tout ce que vous voulez. Et d'erreurs et toutes sortes de choses. Et des Eureka, il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. Et puis pour exploiter le Eureka, il faut aussi beaucoup de travail après, bien sûr. Eureka, c'est une étape.